Narayana était un mathématicien indien du XIVe siècle et il posa le problème suivant. Chaque année, une vache met au monde un veau. Et chaque année, à partir de la quatrième année, chaque veau devient mère à son tour. Et quel est le nombre de vaches et de veaux au bout de 17 ans? La première année, nous avons une vache et son veau. La deuxième année, nous avons une vache et deux veaux. La troisième année, nous avons une vache et trois veaux. La quatrième année, le premier veau devient mère, ce qui donne naissance à la troisième génération des vaches de Narayana. La cinquième année, nous avons une mère et trois veaux de plus. La sixième année, nous avons quatre mères, quatre nouveaux veaux et un troupeau de 13 animaux. La septième année nous apporte la naissance du premier veau, du premier veau, du premier veau de la première vache de Narayana et la quatrième génération commence. La huitième année, le troupeau, ayant compris d'abord 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 6, puis 9, puis 13, puis 19 animaux, en comprend maintenant 28. La neuvième année voit la naissance de 13 nouveaux veaux. La dixième année, l'effectif du troupeau passe de 41 à 60 animaux et la cinquième génération commence. Année, 28 mères mettent au monde 28 veaux tandis que 32 veaux attendent de devenir mères à leur tour, ce qui donne un troupeau de 88 animaux. La 12e année, le troupeau passe de 88 à 129 animaux. Le taux de croissance est alors de 46,59%. La 13e année voit s'effondrer le taux de croissance à 46,51%.
quatrième année voit la naissance de 88 nouveaux veaux qui font passer le troupeau de 189 à 277 membres. Voilà la 17e année et la fin de notre problème. Vous avez sans doute calculé le nombre total de vaches et de veaux. Si vous souhaitez vérifier votre résultat, rien de plus simple, il vous suffira de compter les notes jusqu'à la fin de cette musique.